Indiscutable, Joris Moutachi sur le côté droit de cette défense, et on comprend mieux pourquoi en voyant cette accélération. Il y a du monde dans cette surface, le centre il est parfait vers Papi Pnouba pour l'ouverture du score. Superbe débordement de Axel. Ligali, pas d'inquiétude pour l'ancien gardien de Montpellier pour l'instant. Après quasiment un quart d'heure, Nord bat pour l'égalisation de Marseille Consola. Un but partout et Marseille Consola qui réagit. L'accélération de Tamboura face à Pujol, il est beaucoup plus rapide que lui. Tamboura pour l'ouverture du score, faut frapper, faut suivre et l'ouverture du score pour Marseille Consola devant. Et le voit. Est-ce qu'il est signalé hors jeu? Il n'est pas signalé hors jeu. Oh, attention le Rémi Vassilo qui se trouve. Et le deuxième but, le doublé de bas. Et voilà Marseille qui sécurise la victoire dans... Penalty par Kevin Rocheteau. Oh, la bonne prise de balle là. Et on a bien lancé Soli. Il va pouvoir se mettre sur son pied droit. C'est contré. Ça file dans la lucarne. L'égalisation marseillaise. Cette frappe. Après, Louise a bien fait. C'est dur, et Douni, pardon. C'est dur. Le deuxième poteau. Pour Nouba. Ouais, Ibn Nouba qui vient égaliser. Intervention de la part du Marseillais, et l'ouverture sur le gauche, et pourquoi pas l'ouverture du score dans le moment de Norvès. Et ce ballon qui vient finalement finir dans les buts bitérois, un petit peu pas contre le cours du jeu, mais par les Marseillais aujourd'hui. Attention à son ballon, c'est bien joué dans la surface de réparation. Maxime Aubois qui est trompé par cette frappe astucieuse, cette frappe. Pourquoi pas une nouvelle possibilité pour les Marseillais avec Tamboura, Soli, le petit numéro de la surface de réparation pour l'égalisation et le doublé, surtout